Bonjour à tous. Premièrement, je voudrais lever mon chapeau à Joachim Hansen. Il m'a montré que c'était un vrai champion qui pouvait venir et qui m'a montré qu'il était fort pour 12 ans, ce qui m'a surpris. Je me suis entraîné très fort pour ce combat. Je pensais l'avoir gagné, mais il y a des étapes que peut-être que j'ai mal faites. Je dois me remettre dans le gymnase, continuer. Puis avec ma détermination, monter d'étape et devenir champion du monde. Mais maintenant, je dois retourner au gym et continuer à m'entraîner, puis revenir sur les pas de la victoire. Mais pour ça, je voudrais dire chapeau à Alcine. Il a fait ce qu'il avait à faire, puis je vais continuer à m'entraîner, puis un jour être champion du monde. Merci. À ton dernier combat, ben après ton dernier combat, certaines personnes disaient que tu n'avais pas de cardio. Maintenant que tu as fait 12 rounds, es-tu moins satisfait de les avoir prouvés comme quoi qu'ils étaient dans le tort? Comme j'ai dit, je me suis entraîné fort. J'étais sérieux pour ce combat. Je dois continuer à m'entraîner plus fort, puis continuer à m'entraîner plus fort, c'est tout. Alors, c'est ça. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ce soir? De ce que tu comprends après le combat. Qu'est-ce qui fait la différence? Alcine a eu la meilleure que moi. Had the overhand ce soir sur moi. J'ai peut-être que j'ai mal géré mes énergies, peut-être que j'ai commencé trop fort, mais j'ai fait 12 rounds, je pensais l'avoir assez fait pour gagner, mais bon, je dois travailler plus fort, puis revenir dans le gymnase, puis travailler plus fort, c'est tout. Dave, when